J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je vous ai mis bien avec de la musique, ça fait beaucoup de bien. Comment ça va Par ce lundi soir. Je sais pas pourquoi j'allais dire jeudi, pas du tout. On n'est pas du tout jeudi. Ah, j'ai pas allumé la lumière. Attendez, j'ai pas allumé la lumière, c'est pas bien. Bougez pas. C'est l'installation euh, en live. J'ai pas. Euh... Vous me verrez un petit peu mieux. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que je suis très près du micro. Ah ben là, si vous ne me voyez pas, euh... <laughs> je ressens plus à Casper qu'à autre chose. Oui, c'est parfait. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Est-ce que je ne suis pas trop près du micro J'ai toujours peur de vous euh, casser les oreilles en parlant. Je suis très, très blanche du coup. Hein. La lumière, elle est présente. Et on va bien. Tout de bien, comme, ils disent, euh, comme ils disent les Portugais. Je suis désolée si euh, certaines de mes apprenantes sont dans le chat et que je l'ai mal prononcé. Pas trop près. Ok, ça va. J'ai toujours peur de... Parce que moi, je vois la petite jauge du micro qui bouge. Vous ne le voyez pas, mais... Parce que j'ai tout un petit studio et tout derrière. Euh... Enfin, une interface studio. Et euh, je vois le micro s'approcher dangereusement du rouge. Et je me dis, je vais les rendre sourds. Euh, comment ça va Du coup, on va parler organisation ce soir. Puisque... Euh, bon, je suis désolée, le live de la semaine dernière... Euh a été un epic fail, si on peut dire, enfin ça a tenu 20 minutes, donc je l'ai pas laissé en ligne hein. pour des questions de droit d'auteur je ne pouvais pas. Voilà. Donc euh, vous avez été plusieurs à m'écrire, à me dire euh, oui sur une chaîne Twitch, euh, voilà. Donc j'ai pas de chaîne Twitch pour l'instant. Euh, je vais y réfléchir parce que vraiment ce concept de regarder des émissions euh, en live et d'en discuter ensemble, enfin en live, en oui en live et d'en discuter ensemble, ça me semble hyper euh, intéressant, mais du coup je peux pas le faire ici. Donc euh, coucou Justine, donc je voilà, il faudrait que j'ouvre une chaîne Twitch, ce qui veut dire un nouveau canal, mais bon, qui servirait qu'à ça, donc euh, j'y réfléchis. Est-ce que vraiment vous voulez que je qu'on fasse ça, des live react Moi personnellement j'ai très envie, mais est-ce que vous avez vraiment envie qu'on passe des, des lives comme ça à regarder des émissions de tourisme ou pas euh, Parce que si euh, vraiment ça vous ça vous chauffe comme idée, bon je, je trouverai une solution de mettre ça en place, mais euh, si ça vous dit moyen, peut-être que euh, je le ferai pas. Ah, excusez-moi, j'ai des conseils techniques pour le micro. Ok. Donc, je vais faire ça. Je vais rapprocher et baisser peut-être un petit peu le micro pour éviter de vous arracher les oreilles. Ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, je sais. Et surtout que sur Twitch, pour le coup, on peut faire beaucoup plus de choses. Ah, attendez, maintenant, j'ai une ombre. Ah, C'est dur hein, de streamer. Euh, sur Twitch, je pourrais faire beaucoup plus de choses, en fait, qu'ici. Et on pourrait même regarder des trucs très récents ensemble. Ils sont beaucoup moins regardants sur Twitch. Voilà. Donc euh, il est possible que ça arrive. Je, je, je... Ça va faire l'objet d'un nouveau projet dans ClickUp. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup de projets. Euh, et là, euh, peut-être un nouveau. Donc, euh, bah, tiens, petit, euh, bah, j'allais dire sondage, mais euh, comme ça, à chaud. Euh, comment vous êtes là sur le début d'année, euh, l'organisation, les projets euh, Alors, je dis pas euh, ceux qui sont en formation, euh, euh, pas par rapport au rythme de formation, hein, mais comment ça se passe Est-ce que vous arrivez à vous organiser en ce début d'année Est-ce que vous êtes pris par le temps ou pas Ou il n'y a que moi qui cours après le temps euh, Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression de passer mon temps à courir. Ce qui n'est pas très, très plaisant, hein, je ne vous le cache pas. Euh, mais ça, c'est quand on fait aussi beaucoup de choses. Donc, euh, bon. Voilà, c'est aussi un peu ma faute puisque je choisis de faire des choses. Hein. On ne me les impose pas. Je choisis d'en faire. Donc, forcément, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'espace et de la charge de travail. Donc, je ne peux pas tout à fait me plaindre non plus que ça prend du temps puisque c'est moi qui ai choisi de faire des projets. Alors, bougez pas. Attendez, je garde, il faut que je garde le truc, le chat. Vous êtes là. C'est bon, je vous avais perdu. Euh, une vie à 100 à l'heure, un peu prise par le temps. Ouais, ouais. ouais, Justine, je sais. Moi, je suis prise par le temps aussi. Euh... Alors, j'ai l'impression de dire ça tout le temps en plus. Alors, je suis hyper organisée. J'ai des projets, des trucs, des to-do lists, mais j'ai l'impression de tout le temps courir. Plein de nouveautés en ce début 2023. Du coup, chamboulement dans l'orga. Et ça me dépasse un peu le temps. Ouais, je comprends. Prise par le temps, mais ça, c'est bon côté aussi. Bah oui, Marion, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on choisit... Enfin, quand on est pris par le temps, c'est qu'on fait beaucoup de choses, et notamment des choses qui nous plaisent. Donc ça, c'est cool. Mais, euh... mais c'est vrai que du coup, à l'inverse, on se dit, bah, j'aimerais bien faire plus, et en fait, on peut pas, et c'est pas très évident. Euh... Alors, Nathalie t'a dit, le temps n'est malheureusement pas extensible et c'est fort dommage. Ah, mais ça, le jour où quelqu'un trouve le bouton pause ou retour en arrière, ou... D'ailleurs, retour en arrière, allez lire la newsletter que je vous ai faite, le bulletin que je vous ai fait ce soir parce que je parle de ça aussi, enfin de voyage dans le temps. Teasing avec cette lumière là, ça fait très euh, on dirait que je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, si on trouve quelqu'un qui peut mettre pause aussi, moi personnellement, j'aimerais bien. Surtout que moi j'ai un problème, c'est que passé euh, genre 16h30, mon cerveau il est cramé. Donc euh, du coup, j'ai beaucoup de mal à travailler euh, après. Il faut que je fasse des trucs plus cool. Séverine, lancement extrêmement récent et un peu la panique à bord. Une danse de la joie Mais c'est normal, Séverine, c'est normal. Faut prendre son, son rythme, t'inquiète pas, ça, ça va le faire. Et comme je dis toujours, tout ce qu'on fait au début, quand c'est les premières fois, moi je vous le dis tout le temps, je prends toujours l'exemple de la newsletter, le bulletin DTP, quand je l'écrivais au début, ça me prenait 3 ou 4 heures. Maintenant, honnêtement, celle d'aujourd'hui, je l'ai écrite en 50 minutes parce que je me suis euh, dit, ok, je vais aborder trois choses, euh, je sais ce que je veux dire, je me mets 50 minutes en 50 minutes c'était fait. Je manque d'organisation ou je ne sais pas m'organiser. Alors c'est pas grave hein, de manquer d'organisation, ça arrive là honnêtement euh, moi c'est je sais pas. <laughs> je suis en train de me dire je... en fait je suis en train de voir parce que vous voyez pas mais j'ai mon cahier ouvert et ma to-do list papier. Ce qui est très rare c'est que j'utilise du papier en to-do list mais c'est très très rare parce que maintenant j'ai tout sur ClickUp et là je viens de me dire mais j'ai pas noté des trucs parce qu'en fait, je, voulais vous, je vais vous dire euh, un peu pourquoi, euh, pourquoi ce live. Bah déjà, pour pallier au fait que voilà, celui de la semaine dernière, il n'a pas pu euh, se faire. Et surtout, je voulais vous parler de l'organisation parce que euh, moi, c'est un truc... Euh, alors, je sais que euh, beaucoup pensent que je suis tout le temps hyper organisée, euh, hyper carrée. Euh, J'espère qu'il n'y a pas mon mari dans le chat parce que <laughs> il va dire non, pas du tout. Pas tout le temps, du moins, vraiment pas tout le temps. Il euh, y a quand même des moments où je suis euh, pareil. Hein, je suis dans les choux. Il euh, y a des trucs que je fais à l'arrache. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas un post sur Instagram qui est prévu. Celui d'aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui. Ce qui est pas grave, hein, en soi. Mais du coup, l'avance, elle est plus là. Et généralement, qu'est-ce qu'on laisse passer quand l'avance, quand on n'a pas le temps C'est la communication. C'est tout ce genre de choses donc ça voilà ça, ça arrive c'est pas grave euh, le tout c'est de trouver une organisation qui vous convient et surtout d'essayer de reprendre un peu le contrôle et reprendre la main parce que c'est très désagréable je pense que vous le vivez comme moi là ceux qui ceux qui cherchent le temps c'est très désagréable de se dire j'ai des outils je sais je sais être organisé et gérer des choses sauf que là comme j'ai laissé trop de choses s'accumuler ou trop de mauvaises habitudes moi c'est un peu mon cas de petites habitudes se mettre en route bah du coup faut aller il faut ramer pour récupérer tout ça, quoi donc, ça, euh, voilà, ça, c'est pas très plaisant. Attendez, bougez pas. J'ai pas dit qu'on était en live euh, sur Instagram. Bah, tant pis. <laughs> Ils viendront, euh, les autres arriveront avec le temps. Hein. Voilà. Parce que je crois que mon lien sur ma newsletter marche pas, je sais pas. Euh, bref, peu importe. Euh, du coup, donc, l'état des lieux. L'état des lieux, c'est qu'on est, qu est mi-mars, 13 mars. Euh. Ah, j'ai trop baissé le son. Attendez. Attendez, je remonte. Bah là, c'est à fond. Hein. Salut Sabine Faut que je mette plus près, peut-être. Bref. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, on est mi-mars, donc on est le 13. Et euh, en étant euh, le 13 mars, euh, c'est euh, un peu euh, la cata. Parce que, donc, je le disais plus d'avance sur Instagram. Alors j'ai réduit, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, peut-être pas, mais en même temps, euh, ce n'est pas, hein, pas, pas la news du moment, j'ai réduit sur Instagram, je fais deux posts par semaine parce que je vais vous écrire plus de newsletters et faire plus de lives. Donc fatalement, il faut un vaste communicant, sinon je fais que produire du contenu, ça n'est pas pertinent, je ne peux pas faire le reste. Donc je m'étais fixé comme objectif, je l'ai déjà dit, en janvier, oui c'était il y a presque deux mois, D'ajouter des vidéos à la formation euh, complète, donc à la, à la formation tout court. Euh, donc, j'ai euh, bien sûr euh, tourné les vidéos parce que ça s'est fait, enfin, pas depuis longtemps, parce que j'ai été malade en janvier. En fait, c'est ça qui m'a mis dans le jus, c'est d'être malade. Voilà. <laughs> On ne le dit pas assez, mais moi, ce qui m'a mis dans le jus, c'est d'être malade. D'avoir deux semaines au mois de janvier où je n'arrêtais pas de me moucher et de tousser, où je ne pouvais pas tourner de vidéo. Ben, ça m'a flingué mon organisation. Et comme contre la maladie, on n'a pas le choix que d'attendre, hein, c'est un petit peu le problème. C'est que j'ai rien pu faire euh, de ce que je voulais faire. Donc le projet de je mets à jour du contenu de vidéo, de, du contenu de formation, il s'est décalé. En février, euh, je m'étais dit je vais commencer à travailler sur. Et là, c'est une news. Euh, je l'ai dit, mais pas, j'en ai pas beaucoup parlé. Je voulais travailler sur une masterclass gratuite que je vais vous proposer, donc c'est-à-dire une vidéo, euh, comme j'ai l'habitude de faire les masterclass, vous savez, pendant les lancements, je vais faire une masterclass, mais pas dans le cadre de... du lancement d'une formation, c'est une masterclass que je vais enregistrer sur à ah, deviner le sujet. <laughs> vous étiez comme ça pendu à l'info Eh ben non, je ne vous le donne pas. À votre avis, sur quoi va porter la masterclass que je vais euh, enregistrer Qui n'est pas liée à un programme de formation mmh. J'ai pas de musique de suspense, faut que je me mette ça. Faut que je me mette plus de musique pour les lives pour vous faire des, des musiques d'attente et tout. Le suspense, ouais. Pour moi, alors Sabine, t'as dit quoi Pour moi, panique à bord, je réfléchis tellement que je ne dors plus ou peu. je dois développer mon projet de devenir travel planner. Alors, Sabine, avant que tu nous fasses un burn-out du dodo, ce qui n'est pas du tout pertinent, hein, on a besoin de dormir, c'est hyper important, prends un cahier, n'importe lequel de préférence un, un cahier qui te plaît. Et dès que tu as une idée, note. Dès que tu vois quelque chose, stock. Mais stock euh, de façon, euh, hi euh, dire, hiérarchisée, documentée. C'est-à-dire, dans ton cahier, tu te fais une partie peut-être sur la communication, une partie euh, voyageur, entre guillemets, euh, client idéal, besoin client. Une partie euh, idée, toutes les idées qui viennent. Parce que de toute façon, pour l'instant, c'est pas le moment. Enfin, ce n'est pas encore prévu, ce n'est pas, pas posé et tout. Note tout et après, tu feras du tri. Et tu verras que dans quelques temps, quand tu feras du tri, tu diras :« Bon, et le trucs, euh, honnêtement, ça sert à rien. » Du coup, à votre avis, sur quoi va être cette master class Je ne sais pas si comme ça vous pourriez trouver. Alors ceux qui me connaissent bien, les, les, les vieux de la vieille là, ceux qui sont là depuis longtemps, vous pourriez trouver, je pense. C'est un truc dont j'ai déjà parlé. Euh, voyage de noces Non. Voyage de noces, ça arrivera avec la, la formation, bien sûr. Nous allons faire une master class. Deuxième news. Je m'arrête plus hein, sur les masterclass, vous allez me voir partout. Mais non, c'est pas sur le voyage de noces celle-là. Parce que ça va être vraiment une masterclass qui sera diffusée à part d'un contenu de formation. Il faut que je me trouve vraiment une musique d'attente de suspense. Puis alors j'ai l'air euh, très. Vraiment, j'ai l'air très très blanche hein, sur cette. Euh... J'ai fait un peu peur à voir. Bon, si, si pas d'idée, je vous donne, je vous dis l'info. Parce que je suis sympa. De <laughs> toute façon, vous savez que je vais vous le dire. <laughs> Fatalement, je vais vous donner la réponse. Donc je vais faire... Une masterclass sur le rôle de Travel Planner. Voilà, sur le rôle du Travel Planner. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait, qui il est, euh, les idées reçues aussi, parce qu'on lit beaucoup de choses euh, qui sont pas des vraies infos, qui sont un peu des règles sorties de nulle part. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus, qui n'est pas quelque chose euh, qui est lié à la formation, puisque ce n'est pas dans la formation, mais euh, ce n'est pas un contenu de formation non plus, hein c'est pas... Euh, voilà. C'est un contenu, vraiment, pour ceux qui se questionnent sur le métier, qui savent pas trop. Alors Même les plus anciens, hein, ceux qui sont déjà lancés, ça, ça vous intéressera, je pense. C'est vraiment sur le rôle, la posture professionnelle, comment on la prend, pourquoi il faut la prendre, bref. Plein de choses comme ça. Donc, mon plan, c'était... Euh, alors, j'ai fait un live, mais c'était avec les apprenants pour les objectifs de l'année, donc janvier, je voulais mettre du contenu à jour. Février, je voulais travailler sur la masterclass. Mars... J'étais censée commencer à travailler sur le programme Voyage de Noces, qui ne va pas s'appeler Voyage de Noces. Je lui ai peut-être trouvé un nom, mais ça, par contre, je le garde secret. Je, je réfléchis encore. J'ai trouvé un nom pas trop bizarre, parce que vous savez que je suis pas très douée pour trouver des noms. Là, je suis pas mécontente de l'idée. Donc, j'attends, je vais voir. Donc, mars, je devais travailler donc, sur, voyage, euh, sur le Voyage de Noces, la nouvelle formation, le nouveau module thématique. Et il fallait que je prépare l'absence d'avril. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, du coup, que je suis quasiment euh, absente, quasiment tout le mois d'avril. Donc, ça se prévoit d'être absent tout le mois d'avril. Et du coup, alors bien sûr, euh, entre-temps, j'ai eu d'autres idées. Notamment, et je vous le dis là, parce que peut-être que pas tout le monde le sait, j'ai intégré un module zéro dans la formation avec... Est-ce que vous l'avez vu, ceux qui sont apprenants Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dans le module zéro de la formation Ou vous ne l'avez pas vu Si vous ne l'avez pas vu, il euh, va falloir aller tout de suite voir. Hein. Parce que dans le module zéro... Il y a quelques petites consignes, mais surtout... Ah, vous l'avez vu. Il y a le bingo DTP. Parce qu'on remet les bingos à l'honneur, c'est pas démoder les bingos. Ah, faut que t'ailles voir Fanny. Faut que t'ailles voir. Toi, ça, ça va te plaire aussi, ça va te plaire. Ouais, le bingo. Le bingo DTP. Donc ceux qui sont pas dans la formation, je le dis, il y a un nouveau contenu qui est apparu, donc dans la formation complète, qui est le bingo DTP, qui est un petit format pour passer à l'action. Et bien sûr, avec potentiellement cadeau à la clé. Parce que ça ne se refuse pas, un petit cadeau. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est arrivé. Euh, c'est arrivé comme ça. Ça n'était pas prévu que je fasse ça. J'ai fait ça. Donc, pareil, ça demande de créer le contenu, même si ce n'est pas, pas un module de formation. Hein. Mais il a fallu que je le crée, que j'y réfléchisse, que je vous en parle, que je le mette en ligne, que je le tourne. Bref. Voilà. voilà. Et accessoirement, je le dis comme ça, vous le saurez. Dans la formation, donc j'ai ajouté une partie sur le questionnaire de besoins, ça vous l'avez. Euh, bah ceux qui ne sont pas de la formation, comme ça vous le saurez aussi. J'ai ajouté vraiment tout un tuto sur le questionnaire de besoins, comment le réaliser, etc. Mais en complément, tenez-vous bien, parce qu'il ne va pas arriver euh, n'importe quoi, il va arriver un tuto sur, euh, la co en communication, sur euh, comment réutiliser du contenu qui nous inspire chez d'autres, et je ne parle pas de faire de la copie chez les travel planners, absolument pas. Donc, donc il est arrivé euh, le questionnaire de besoin, un tuto en communication, il va arriver une vidéo sur euh, les modalités de paiement, comment la mettre en place, etc., qu'est-ce que ça coûte, présenter ses offres de façon claire, comment gérer un mauvais payeur, comment garder une relation active, attendez, comment garder une relation active comme ça, euh, quand on a un départ lointain, demander des avis clients, bref, en tout, ça fait quasiment une dizaine de vidéos qui va arriver. La personne ne s'ennuie pas. <laughs> Coucou Perrine Et merci parce que pour une des vidéos, je prends ton cas comme étude. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'est très gentil de ta part. Donc, euh, j'ai tourné ces contenus-là il faut que je les finisse de les monter et je vais tous les mettre en même temps sur la plateforme. Il va en arriver d'autres aussi, notamment sur la partie gestion d'entreprise. Et je pense qu'il va arriver des contenus un petit peu plus euh, avancés, si on peut dire. J'aime pas cette notion de niveau, mais un peu plus avancés. Euh, pour ceux qui sont lancés depuis un peu plus longtemps et qui ont envie, parfois, de pivoter leurs offres, de changer de cible, de changer d'offre. Voilà. <laughs> on s'ennuie pas en 2023, hein. S'il si y avait des gens qui avaient du temps, nous, je, nous on n'en a plus. <laughs> ni vous, ni moi, on n'a plus de temps. Donc, bref. Donc, j'en suis au euh, « Je reviens à mes moutons ». La masterclass, elle n'est pas tournée, hein. Pas du tout, c'était en février, c'est pas tourné, parce qu'il a fallu... Euh, parce que, merci, je vais le dire euh, je prends le, du coup le live pour le faire. Euh, merci de votre confiance. Tous ceux qui m'ont fait confiance là, alors ceux d'avant aussi, mais depuis 2023, euh, depuis la rentrée, merci beaucoup. Vous êtes hyper nombreux à arriver sur la formation complète et pas que, même en formation, en module individuel. Merci de votre confiance parce que bah, j'ai plus le temps. J'ai toujours du temps, mais grâce à vous, comme vous, avez été nombreux, vous êtes nombreux à être arrivés, euh, bah, il a fallu aussi gérer euh, les, les entrées en formation. Euh, donc du coup, euh, bah, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'au euh, 13 mars, je suis à la bourre. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, on va reprendre le taureau par les cornes, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est à la bourre qu'on ne peut rien faire. Oui, parce qu'au milieu de ça, je cale des rendez-vous avec des potentiels partenaires, des discussions, des trucs. Je fais des lives, je fais des trucs. Donc en fait... Hein, je le veux bien. Je le veux bien aussi d'être dans cette situation. Et parce que j'ai... Alors, je tairai le projet parce que c'est pas encore fait et que c'est en cours et qu'on y réfléchit. Et parce que j'ai un gros projet, les apprenants le savent un peu, pour la fin d'année d'un voyage. Et je n'en dirai pas plus. Et j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pense que ça va plutôt bien se passer, donc je me suis rajouté un projet en plus. Ambre est... Heureusement, je fais ce live parce que Ambre est en vacances. <laughs> Donc elle sait pas. Enfin il y a des trucs elle, elle sait tout, mais elle a vu arriver des projets un peu dans le temps. Euh, voilà, je, elle aussi pour sa santé mentale il faut qu'elle prenne des vacances. <laughs> voilà. Et par dessus ça, oui parce qu'on l'a pas dit, par dessus ça euh, cette semaine normalement je suis censée monter à Paris donc je croise les doigts de pouvoir monter à Paris puisque cette semaine était euh, bah, un peu bloquée parce que pas chez moi c'est un peu plus compliqué pour faire certaines tâches, notamment créer du contenu de formation parce que je suis j'ai pas les mêmes installations qu'habituellement. J'espère que je vais arriver à monter. Je ne suis pas encore sûre d'arriver à prendre un train pour monter, mais j'espère vraiment. Et parce qu'en plus, on doit aller au salon du tourisme le 16. Et faire une rencontre en vrai avec les apprenants. Croisez les doigts, croisez les doigts, croisez les doigts que ça marche. Euh, j'espère qu'on va, qu va y arriver. On va tout faire en tout cas. Donc, ce qui fait que... Voilà, je suis, euh, je suis à la bourre et moi, quand je suis à la bourre et quand j'ai des choses à faire, je ne sais pas vous, mais du coup, en fait, j'ai des choses qui tournent dans ma tête. Je ne sais pas vous ce que ça vous provoque d'être euh, à la bourre. C'est euh, moi vraiment, j'ai des choses qui tournent ou genre tous les trois jours, je, je pense aux mêmes choses. Je suis là, ah oui, il faudrait que je fasse ça, ah oui, il faudrait que je note ça, ah ouais, il faut que je pense euh, là pour euh, avril, ce serait bien que je réutilise euh, un certain type de contenu, mais il faut que je fasse euh, les visuels. Ok, et en fait, je ne le note pas et du coup, ça tourne. Ça tourne sans cesse. Euh, donc du coup, euh, c'est pour ça, 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 Sabine, ça me fait rebondir tout à l'heure à ton commentaire. C'est pour ça que l'idée, c'est de bien compartimenter les choses, parce que ça permet de stocker plus intelligemment. Moi là, du coup, j'ai des choses qui tournent et qui sont tout le temps les mêmes, et je me, je me suis dit, je vais les écrire et je, je, vais, je vais remettre de l'ordre, parce que là, sinon, on s'en sort plus. Voilà. Hein? Voilà. Donc, ce que j'ai fait, parce que rien ne vaut ça c'est à contre-jour, enfin c'est en... tout blanc, un carnet, un cahier, voilà, parce que de toute façon il y a trop de choses, je vais pas les mettre sur ClickUp tout de suite, il faut que je, il faut que je note, il faut que je note des choses, euh, et euh, là carrément cette semaine pareil, on va passer sur la to-do list, parce que là de toute façon, euh... en plus je sais pas ce que vous avez, enfin c'est pas, pas vous en hein, particulièrement, mais sais... en ce moment je reçois des messages et des mails, merci, non, merci déjà de me, re... c'est déjà très gentil de me contacter, hein, je vous jette pas la pierre mais alors, je, même pour répondre aux mails, je, par exemple aux newsletters, en fait, je reçois des réponses au bulletin, moi je réponds, mais en fait ça fait un ping-pong après. <laughs> Donc la newsletter de la semaine dernière, j'ai encore des gens qui m'écrivent. C'est cool, hein Moi je suis très contente. Mais du coup, je suis là-bas. Bon, alors quand est-ce que je casse les réponses Je ne sais plus où j'en suis. Euh, voilà. Bref. Donc, ce que j'ai fait, parce que ça tourne, j'ai carrément noté, ça doit sortir de ma tête. Hein. C'est ça le titre. Je vous jure que je ne vous mens pas, si jamais vous ne me croyez pas. C'était le, euh, le pire plan que vous ayez vu de toute l'histoire de ma chaîne YouTube, mais voilà. Donc c'est c'est choses où il faut que ça sorte, il faut que ça sorte de ma tête. Donc j'ai essayé de compartimenter. il bon, y a un compartiment qui s'appelle d'hiver. <laughs> Alors ah oui parce qu'attendez non attendez il faut que je vous voyez même ce, ce live est décousu hein. c'est préparé mais euh, voilà donc parce qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai mis en place euh, voilà il y a des choses je vais être obligé de changer d'outil. non je ne quitte pas ClickUp. Ne vous emballez pas, ce n'est pas l'idée. Je ne quitte pas ClickUp, je fais de la mise à jour aussi sur ClickUp, de l'amélioration, mais en fait je vais quitter certains outils parce que ils ne répondent plus à mes besoins. Je vais vous dire lesquels. Euh, je vais euh, devoir prendre un Google Workspace individuel parce que je stocke trop de choses sur mon Drive, notamment des vidéos quand je pars en voyage, plus des shorts, etc. Et qu'en fait je n'ai plus de place. Je reçois des messages d'alerte toutes les semaines pour me dire attention c'est plein. Est-ce qu'il y en a qui utilisent euh, Google Payant d'ailleurs euh, Donc il y a Workspace, après on peut acheter que du stockage. Alors pourquoi, pourquoi Workspace Parce que comme ça je vous fais la réflexion jusqu'au bout. C'est intéressant, je pense, parce que c'est de l'analyse d'outils. Justement pour vous, ça peut être une réflexion que vous allez peut-être mener dans quelques temps. Donc Google, euh, Google Workspace, il a plusieurs avantages. Le stockage, c'est 1 Tera. Avant que j'utilise un Tera, même si je stocke beaucoup. Euh, là vraiment je me suis transformée en écureuil du digital, hein, donc c'est pas... ça devrait aller. Donc stockage vraiment vidéo. Euh... Ah, tu utilises Google Payant, Périne Mais que pour du stockage ou pour plus de choses Du coup. Donc, autre chose, Google Workspace, ça permet aussi de faire de la prise de rendez-vous. Et en fait, moi j'aimerais arrêter Calendly. Et je vais attendez, je vais juste couper parce que j'entends que j'ai des... Bougez pas, hein. j'entends que j'ai des notifs, c'est chiant. Euh... Donc oui, je voudrais arrêter Calendly parce que j'ai une version payante, mais en fait, un des, une des deux options de la version payante ne me sert quasiment pas. Donc je me dis, c'est quand même un petit peu bête de payer un outil pour quelque chose que je n'utilise pas. Donc j'aimerais arrêter Calendly. J'ai besoin d'espace de stockage. Et euh... oui, et je pourrais aussi arrêter Zoom. Parce que Google Workspace, donc c'est vraiment fait pour les entreprises, il y a Google Meet qui permet d'enregistrer, il y a la prise de rendez-vous et il y a le stockage. Et je crois qu'il y a même un quatrième truc. Euh, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais regarder. Google Workspace Individuals. Et en plus, alors pour le prix, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'y suis pas encore passé. Je sais pas. J'aurais dû me réveiller avant, je pense. Euh, donc oui, il y a quoi dedans euh, les, donc les réunions, le stockage, la planification de rendez-vous et il y a le marketing par email. Moi, ça m'intéresse moins parce que vous savez que j'utilise MailerLite, mais ça peut être utile et sachant que sur Google Workspace, pour la prise de rendez-vous, euh, on peut personnaliser les emails. Alors, bah, Google, ça dépend, Périne, parce que je crois que si tu prends du stockage, tu n'as pas forcément Google Workspace à vérifier. Hein, comme toujours, euh, voilà. Mais du coup, je vous fais même la réflexion jusqu'au bout, parce qu'attendez, j'ai fait des calculs et tout, parce qu'en parce qu vrai, quand on fait des réflexions de changer d'outil ou pas, euh, logiquement, c'est comme ça qu'on procède. Il faudrait juste que je retrouve... Euh, où est-ce que j'ai noté ça hein, Parce que je sais plus. Voilà. Vous voyez, quand c'est le bazar, on ne sait plus ce qu'on note. Mais bref. Eh bien, écoutez. Ah si, je l'ai noté sur ClickUp. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. De toute façon... Euh, de toute façon, je sais que de toute façon c'est rentable puisque j'ai déjà fait le calcul. Donc en fait l'idée, euh, si vous voulez, c'est donc de couper mon abonnement Calendly, de couper mon abonnement à Zoom, parce que je pourrais tout faire sur Meet et euh, en fait je pourrais tout avoir sur Google. Et en plus, je veux euh, prendre un outil de... Alors ça c'est un outil particulier, c'est un outil pour signer des contrats en ligne, mais c'est un outil qui est payant, qui s'appelle YouSign qui permet en fait d'envoyer des invitations et que les gens signent en ligne les contrats pour éviter d'aller sur I Love PDF ou de les scanner machin, c'est chiant. Bref, c'est aussi pour de la traçabilité. Moi, je fais signer des contrats pour de la traçabilité contrat, c'est intéressant. Donc, je me retrouve avec la question de j'ai plus d'espace et je pourrais prendre un outil qui regroupe en gros trois outils et tenez-vous bien l'économie réalisée de passer par Google Workspace plutôt que d'avoir deux outils ça me permet de prendre un outil de signature en plus donc yousign et de ne pas payer plus cher et de même être en dessous du budget initial avec zoom et calendly. Vraiment je vous dis je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi à ça plus tôt mais bon. Donc euh, en ce moment j'avais aussi ça faire l'étude de quand est-ce que ça arrête mes abonnements est-ce que c'est pertinent de prendre workspace bon pour le coup oui c'est pertinent mais je vais avoir un chevauchement d'outils. Parce que fatalement, parce que mes abonnements s'arrêtent l'été, puisque moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois. Euh, tous mes abonnements sont l'été, puisque j'ai lancé ma formation l'été, donc j'ai acheté tous mes outils l'été. Bon, écoutez, c'est pas dramatique que ça se chevauche quelques mois, puisque de toute façon, je fais quand même une économie. Mais bon, dans vos réflexions d'outils, si un jour ça vous arrive, euh, c'est important aussi comme notion de est-ce que je fais des économies Est-ce que pendant un moment je vais pas payer des outils pour rien Bref. Donc il y avait aussi ce truc-là. Mais du coup comme je fais tout pour l'instant un peu en décousu, j'ai toujours pas concrétisé mon abonnement Workspace. Donc j'ai dû supprimer des choses dans mon drive, parce que c'était le bazar. Voilà. Donc ce que j'ai fait, ce week-end, j'ai pris mon petit cahier, et je me suis dit, Élise, tu vas noter tout ce qu'il y a à faire, et, on, on, et, on, et une bonne fois pour toutes, on va programmer ça en mars. Bon, et puis ce week-end, d'un coup, on partait plus à Paris, donc c'était un peu le bazar. Et finalement, aujourd'hui, on repart. Je sais pas, hein, je sais pas comment on va faire, euh, mais voilà. Donc bref, j'ai décidé de me dire, je reste sur le principe que je pars à Paris, je serai pas chez moi, donc ça veut dire que tout ce qui est formation, etc., je ne le mets pas la semaine prochaine, ce n'est pas possible, mais du coup, je vais pouvoir faire autre chose. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, vous me direz comment vous fonctionnez. Bah, D'ailleurs, si, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des trucs qui leur tournent dans la tête, qui doivent faire et qui ne sont pas faits, et qui sont notés dans aucune to-do list Dites-moi dans le chat où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez besoin que euh, on, se, on se challenge, on s'engage mutuellement à faire? Évidemment. Prends une feuille de papier, Séverine, un stylo. C'est parti. <laughs> vous savez que si vous répondez, vous allez avoir des exercices. <laughs> vous le savez. Vous me connaissez. Hmm. Vous savez que. On n'est pas là pour enfiler les perles ou manger les cailloux, hein On a déjà dit. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu en. Euh, J'ai des trucs qui traînent comme ça, du style faire de la com, euh, ben voilà. Je note tout, même en vrac. Non, mais ça, Fanny, c'est l'idéal. Mais est-ce que tu as des trucs qui traînent Tu sais, euh, du style, faut que je fasse un post Instagram, mais bon, je le repousse parce que j'en ai qu'un. Ou euh, il faudrait que je me penche sur euh, tel truc de mon carnet de voyage, mais je le fais pas parce que c'est une petite tâche isolée, par exemple. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça, là Vous savez, les tâches volantes hein On les déplace comme ça, là. Moi, je les prends toutes les semaines et je les déplace. C'est pas bien. Moi, j'écris beaucoup trop de choses. <laughs> J'adore. Et alors, Perrine, tu me tues. Moi, c'est noté dans la tout do mais je l'ouvre pas pour programmer mes journées. <laughs> Vous avez décidé de m'achever. <laughs> alors, moi, je, je sais que mercredi, si je monte, normalement, je, je croise les doigts. Si quelqu'un. Aidez-moi. Euh, normalement, mercredi, j'ai 4 heures de train. Donc, je sais que dans le train, je vais pouvoir faire des trucs. Parce que j'ai pris une place avec une, une prise en plus, exprès. J'espère qu'il n'y aura personne d'acier à ma place. Euh, J'ai des milliers de trucs qui traînent et se baladent dans ma tête. Il faut que ça sorte, Fanny. On prend un papier, il faut que ça sorte. On les prend, on les sort. On les prend, on les sort. Vous savez ce qui serait vachement bien, c'est que quelqu'un invente euh, le truc d'Harry Potter, la pensine. La pensive. Ou la pensine. La pensine. Ils prennent, ça, ils mettent la baguette comme ça là et ils sortent les souvenirs. Faudrait qu'on fasse ça avec nos to-do listes. Ce serait tellement bien. Euh... Oui, je vois bien, je remets, tout, je remets sur ma to-do tous les jours. Alors, ça des fois c'est parce qu'on a des trucs chiants qu'on veut pas faire. Mais c'est pas grave. Il faut commencer par ça, comme ça c'est fait. J'ai plein d'idées, mais vu que je débute, je ne sais pas trop comment les organiser. T'as une équipe d'enfer. <laughs> pas mal l'appellation d'état. L'appellation d'état Des tâches C'est pas grave. <laughs> euh, bah du coup Justine, alors l'idée. Moi ce que je fais, si vraiment il y a beaucoup de tâches, je liste tout en vrac et ensuite. Magie euh, incroyable, les surligneurs et je fais des catégories. Y a, chez moi, il y a que ça qui marche, c'est-à-dire regrouper les choses et me dire, ok, une couleur c'est communication, une couleur c'est euh, par exemple stratégie d'entreprise, une couleur c'est euh, comptabilité et je fais des surlignages. Il n'y a que comme ça que j'y arrive. J'ai plusieurs cahiers, je ne sais pas pourquoi, mais parce que, mais parce que. Ça c'est mon euh, journal euh, pour le journaling. Ça c'est un cahier euh, voilà. Ça c'est le cahier de la to-do. Ça c'est la to-do list. Je ne te jetterai jamais la pierre. <laughs> je ne jette pas la pierre aux gens qui ont des cahiers et j'en ai dans mes tiroirs. Donc moi l'idée là je me suis dit il y a des choses en fait, il y a des choses que je dois faire. Absolument, il faut que j'organise mon absence. Donc en termes de communication, je le dis et je vais le répéter. Je vais le répéter. Un bandeau, va. Se... je vais mettre un bandeau. Je pense que là, euh, ça, je ne l'ai pas noté. Je vais le noter. Hein. Donc, un bandeau. Je vais essayer de ne pas crier ni de pas faire d'ASMR parce que ce n'est pas très agréable. Euh, bandeau fermeture. Euh... Ah oui. Euh, bandeau fermeture avril. Et plus site internet. Vous voyez, j'ai des idées en étant avec vous. Alors, j'ai 50 cahiers. Bon oui, bon, mais de toute façon, mais en plus, moi, j'en offre. Alors encore plus, vous, vous retrouvez avec encore plus de trucs. Donc l'idée, je me suis dit, il y a des choses, voilà. Priorité, il faut que je m'occupe de préparer mon absence du mois d'avril. Il faut que je prépare, en fait, ma communication pour le mois d'avril aussi. Parce que je pourrais plus le faire, en fait. Je vais pas, en, une fois en Corée, je peux pas faire des posts Instagram, je pense que j'aurai autre chose à faire, honnêtement. Donc, première chose que j'ai notée, je me suis notée faire le calendrier de contenu d'avril. J'ai pas fini les postes de Mars, mais peu importe. Voilà, à un moment on va se lâcher la grappe aussi. De toute façon, Mars, je vais le faire au fil de l'eau. Sachant que, bien sûr, pourquoi je ne sais pas, je me suis lancée dans un challenge de faire un short par jour au mois de mars. Voilà, parce que j'avais le temps, hein, visiblement. Donc ça, je les ai tournés, hein. j'ai quasiment tourné tous les shorts, ils sont quasiment tous prévus. Mais du coup... Parce que c'est là aussi où à un moment il faut optimiser, et c'est pour ça que je tenais à vous faire ce live. Je me suis dit, ok, le contenu short il est sur YouTube, je vais m'en servir pendant le mois d'avril. Il y a certains shorts que je vais publier en réel. Parce que c'est pas compliqué à faire, j'utilise CapCut sur mon téléphone, les vidéos sont déjà montées, sont déjà sous-titrées, j'ai plus qu'à les mettre sur Instagram. Mais j'avais pas pensé que sur Instagram on peut, pas, on peut pas programmer les réels, en fait. Sur Meta, on peut pas faire ça. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je vais me noter euh, de les publier euh, quand j'y penserai. Enfin quand j'y penserai. Euh, je pense que je vais pas en publier un par jour. De toute façon, ça sera peut-être qu'un par semaine. Donc quand je serai euh, bah, en Corée, j'aurai juste à appuyer sur publier. Je vais tout enregistrer en brouillon et il n'y aura plus qu'à les mettre. Mais donc il faut que je fasse mon calendrier euh, et mon calendrier de contenu du mois d'avril. Et dedans j'ai noté, <laughs> j'ai peur, à quel hier, les tâches, j'ai peur. Euh, il faut que je le fasse donc sur Instagram, sur Facebook, parce que oui, je republie des choses sur Facebook, parce que figurez-vous que je me suis aperçue qu'il y a des gens sur Facebook. Vous n'êtes pas aperçu de ça, vous aussi <laughs> J'ai l'impression d'avoir découvert la poudre, là. Euh, vraiment, je, je viens avec une révélation. Mais en fait, je suis désolée, c'est très décousu, vous me dites. Hein, si je passe du coq à l'âne et que c'est compliqué, euh, voilà, euh, dites-le-moi, hein, parce que moi, vous savez, ça, ça suit son cours. Donc, je reçois des messages, des demandes de clients, prospects, euh, sur euh, Facebook. Bonne soirée Fanny, pas de soucis euh, Je reçois des demandes de clients sur Facebook. Donc je me suis dit, si à un moment les gens viennent sur ma page Facebook, c'est qu'ils me cherchent sur Facebook. Ça, c'était vraiment l'explication la plus... Euh, bah, il fallait faire un bac plus 72 pour trouver ça. Euh, donc, je me suis dit, s'il y a des gens sur Facebook, il faut que je publie sur ma page. Enfin, il faut. Ce serait bien, ça veut dire qu'il y a des gens. Il y a une présence. Parce que j'ai pas reçu un message, j'en reçois presque toutes les semaines, donc c'est qu'à un moment les gens, ils ont le réflexe d'aller sur Facebook. Moi, j'avais laissé tomber Facebook parce que je me disais, il n'y a personne sur la plateforme, ça sert à rien. Bah c'est faux. Mais je ne publie pas beaucoup de contenu, je publie un contenu par semaine et je republie. Enfin, je mets, euh, je publie aussi quand j'ai un article ou une vidéo qui sort. Donc le calendrier le d'avril calendrier de Facebook, il va être très rapide, et en plus c'est du recyclage d'Instagram. Parce qu'honnêtement, euh, entre Facebook et Instagram, le contenu est un petit peu adapté, mais pour moi, c'est quasi, quasiment le même. Mais c'est du contenu beaucoup plus ancien que je recycle. Donc, je le retravaille quand même un petit peu. Et ce que je vais faire et ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas simplement écrire calendrier de contenu tel mois c'est de vous noter à côté le nombre de postes que ça représente. Attendez, je ne sais plus comment faire. Pourtant, j'ai un grand bureau maintenant. Bougez pas de toute façon vous n'allez pas partir en courant donc sur facebook euh, avril il y a combien de semaines attendez 1 2 3 4 ça va il y a 4 semaines <laughs> c'est raisonnable avril c'est raisonnable donc je, logiquement je vais avoir un article à recycler enfin un article qui va sortir donc je vais le programmer euh, je pense que sur facebook honnêtement je vais avoir 6 posts un article une vidéo et 4 postes, 1 par semaine. Donc je me note, faire le calendrier de contenu d'avril, 6 postes. Et ça, honnêtement, je pense que je vais le faire dans le train. Tout le calendrier de contenu, et certainement, ça ne va pas me prendre 4 heures, hein, euh, et certainement un peu de rédaction, je vais commencer dans le train. Ensuite, j'ai euh, Instagram. Donc Instagram, on est d'accord que si je fais 2 postes par semaine, il y a 4 semaines, ça fait 8 postes. Est-ce que vous, tout le monde est d'accord Oui La foule en délire, elle s'est comptée jusqu'à 8. Enfin, elle sait faire des multiplications. Euh... Vous voyez que je suis fatiguée en fin de journée. Hein c'est bien n'importe quoi. Je fais la foule en délire. Je pense que vous êtes en délire, c'est pour ça. Faites-le en même temps que moi. Bah, Peut-être pas pour... Bah, Quoique pour avril, vous pouvez prévoir votre calendrier de contenu euh, maintenant. Hein. Euh, est-ce qu'en avril, est-ce que certains d'entre vous ont des thématiques bien précises Par exemple, ne, ne vous lâchez pas sur vos claviers, je vous donne un exemple. Par exemple, au mois d'avril, vous sortez une nouvelle offre. Euh, ou alors, au mois d'avril, euh, vous avez, je sais pas, vous voulez mettre en avant un produit digital, donc il serait intéressant d'en parler. T'adores la foule en Merci, Perrine. Je savais que toi, tu me suivrais dans ce genre de délire. Stéphanie aussi. Je suis sûre, Stéphanie, elle fait la foule en délire aussi. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui. Est-ce que certains d'entre vous ont une thématique qu'ils vont aborder, enfin, ils veulent mettre quelque chose en avant au mois d'avril Si c'est le cas, mettez-vous maintenant dessus en vous disant, OK, au mois d'avril, je, je veux mettre en avant mon produit digital. Donc l'idée, ce n'est pas de dire quatre fois dans le mois, j'ai un produit digital, venez, c'est vachement bien, donnez-moi votre mail. Bien sûr que non. Mais c'est de trouver quatre contenus dans lesquels vous pouvez amener le produit digital. Donc par exemple, un contenu, ça peut être expliquer, juste le présenter, dire qu'il arrive, classique. Un autre contenu, ça pourrait être, par rapport à la thématique du produit digital, créer un poste autour de ça. Perrine, je prends ton exemple parce que ça, je l'ai vu passer aujourd'hui. Par exemple, le guide de conversation. On se dit, je vais faire quatre postes sur le guide de conversation au mois d'avril pour le dynamiser. Ok. Première chose, on le présente. Quel est l'intérêt À quoi il sert Qu'est-ce qu'il y a dedans Ok. Deuxième chose, c'est par exemple de dire, si vous partez au Portugal, peut-être cet été, peut-être vous allez découvrir Lisbonne, Porto, peu importe, parler d'une destination et dire, j'ai créé un guide sur. La conversation, enfin un guide de conversation pour le Portugal. Deuxième idée de poste. Euh, troisième idée, ça peut être, euh, par exemple, si vous avez, je sais pas, une bonne adresse au Portugal que vous aimez, un restaurant, un café, un gâteau au chocolat. Ça peut être, j'ai testé telle adresse, par exemple à Lisbonne, et si jamais vous voulez y aller et euh, parler dans un portugais parfait. Dans mon guide, vous avez euh, comment on dit euh, bon appétit, euh, je voudrais euh, un gâteau au chocolat, je voudrais un café. Vous parlez de votre produit, mais la base, c'est que vous donnez de l'info. Vous voyez ce que je veux dire Et une quatrième idée, ça pourrait être, par exemple, euh, de faire un carousel de... Euh, alors, il y a plein de façons de... Vous pouvez faire plein de choses, hein, mais si vous avez envie de faire un truc humoristique, vos photos ratées, par exemple. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça peut être un truc un peu humoristique. Ça change un peu des super belles photos sur Instagram. Ça peut être mes pires photos. Euh, alors moi j'en ai hein, des pires photos à Lisbonne. Croyez-moi qu'il y a des trucs, j'ai pas l'œil hein, des fois. Ça peut être ça. Et à la fin, bah, parler de la photographie et peut-être dire bah, voilà comment on dit photo en euh, portugais et de mettre en avant votre guide. Ça peut être euh, par exemple de dire que vous avez une newsletter, euh, que euh, vous allez parler. Euh, bah de, des destinations, que vous allez donner des infos exclusives aux gens qui s'abonnent, et que pour tous ceux qui s'abonnent, il y aura un cadeau qui peut être le guide pratique, enfin le guide lexique du Portugal. C'est des idées. Voilà. Mais l'idée, c'est de se dire, ouais, les pires photos, je savais que ça allait plaire. Je savais. Mais honnêtement... F... Après, je, voilà, vous le savez, moi, je vous donne des idées. Trouvez votre patte, trouvez votre marque. Euh, je pense il n'y a, y y a pas Sandra qui est là euh, dans le live, mais ça me fait penser à des idées. Par exemple, si vous avez une thématique euh, voyage en couple, euh, ça peut être les spots photos les plus... Euh, alors, pas forcément les plus Instagrammables, justement, mais les spots photos un peu cachés pour faire de jolies photos en amoureux, par exemple. Et à la fin, vous parlez de la destination et de votre service. On s'éloigne du sujet, hein, mais euh, voilà. Donc l'idée, c'est ça c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des choses que je veux mettre en avant au mois d'avril Parce que logiquement, quand on fait son calendrier, c'est pour parler de quelque chose. Moi, je me dis, au mois d'avril, je vais parler du métier de travel planner. Vous l'avez peut-être remarqué, je prends position, là, ces derniers temps, on ne m'arrête plus. J'ai des choses à dire. On va, comme disent, euh, j'ai vu ça, euh, on va parler français. <laughs> vous savez, les gens qui, disent, qui ont des trucs à dire, euh, ils disent ça maintenant. Donc moi j'ai décidé que j'allais parler du métier de travel planner euh, parce que j'en ai un peu marre de lire des trucs, j'en ai parlé euh, la semaine dernière, de mettre les gens dans des cases, dans des règles, j'en ai marre. On n'entreprend pas pour être dans des cases, on entreprend pour être libre, pour la plupart d'entre nous. Donc je veux qu'on parle de ça. Donc moi je me dis, ok, sur Instagram je vais faire 8 posts, je vais faire euh, peut-être 4 réels et 4 posts, et mes réels, ça sera des réels que je vais utiliser de YouTube, enfin de Shorts, et qui seront euh, liés au métier. A bientôt Perrine, bonne soirée. Merci d'être venue. Donc l'idée c'est ça. Donc 8 posts sur Insta, 6 posts sur Facebook. Sur YouTube, je sais pas encore, peut-être que je ferai euh, 4 shorts parce que j'en ai tourné euh, plus parce que je en fait, vous savez quoi, je me suis prise au jeu des shorts. J'en ai tourné pour le challenge et après il m'est venu des idées. Donc je me suis dit je les tourne, ça sera toujours utile. Bah du coup, je me dis j'ai du contenu qui est déjà prêt, ce serait peut-être intéressant de le poster en fait. Et euh il faudrait que je mette le vlog, euh... alors, le vlog de Paris, parce que je vais vloguer à Paris, et euh, le vlog euh, Lisbonne, du coup. Alors, celui-là, il y a du boulot. Hein. J'ai fait beaucoup, beaucoup trop de rush, beaucoup trop. Et ensuite, alors c'est là que vous vous rendez compte que je produis beaucoup de choses, hein, quand même. Euh, c'est pour ça qu'il faut commencer à recycler aussi. Quand vous avez beaucoup de contenu, il faut, faut le recycler. Et donc ensuite, euh, pour le bulletin le bulletin, j'aimerais beaucoup écrire une newsletter par semaine, je sais pas si je vais y arriver je veux pas me mettre la pression parce que euh, c'est un format que j'adore, mais si je me mets la pression je vais pas bien le vivre, c'est pas pertinent mais je sais par exemple que dans le train, je suis tout à fait capable je l'ai fait à l'aéroport, euh, d'écrire par exemple euh, deux newsletters dans le train donc je vais mettre un objectif que, qui me fait du bien au moral <laughs> je vais mettre un nombre de postes, donc je vais mettre deux bulletins et comme je suis euh... joueuse, je vais m'en mettre deux de plus. J'aimerais en écrire quatre. Honnêtement, je, je, je pense que c'est faisable. Donc, je vais tenter de le faire. Et je me suis notée, parce que je sais que ça vous plaît, de vous partager plus de choses personnelles. Je sais que ça vous plaît et que j'ai beaucoup de retours. Et merci d'ailleurs, parce que c'est toujours presque toujours très bien accueilli mais globalement ceux, ceux qui me répondent c'est très bien accueilli et vous êtes adorable dans ce que vous m'écrivez donc merci vous ne savez pas la valeur que ça a je vous le dis parce que je pense que peut-être vous en rendez pas compte je ne parle pas que pour moi hein, je parle en tant qu'entrepreneur et vous, levez, vous allez le voir quand vous aurez des clients quand vous produisez du contenu que ça soit sur youtube sur instagram des emails quand les gens vous répondent je vous jure que ce n'est pas exagéré moi vraiment je me dis c'est génial les gens me répondent j'écris des choses et ça fait écho et vous me répondez bah vraiment, vous savez pas le bonheur que ça procure à un créateur, euh, alors j'allais dire créateur de contenu, je ne suis pas créatrice de contenu, mais à un entrepreneur qui crée du contenu pour mettre en avant ce qu'il fait, de lui répondre, de dire aux gens que ce qu'ils ce qu font, ça vous aide. Là, je pense à toi, Sabine, parce que tu me l'as dit plusieurs fois, et vous tous, vous me l'avez déjà dit, euh, vraiment, si vous, si vous avez le temps ou si vous avez l'envie de d'écrire à des gens et de leur dire que ce qu'ils font, ça vous aide, faites-le. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est ce que ce ce important, en fait, pour la personne en face. Voilà, c'est la séquence émotion. Euh, du coup. Ensuite, parce que lié à mon calendrier éditorial, j'ai noté pour la création de contenu, ça c'est les tâches qui, qui viennent avec. Euh, ranger Canva. Est-ce que j'ai pas déjà dit ça euh, dans l'organisation de début d'année Hein Voilà. Euh, Séverine t'a dit je suis d'accord avec toi, je vis ça depuis trois jours et déjà je suis trop touchée. Mais oui, mais oui. Vous vous rendez pas, vraiment je pense, hein, je vous le dis honnêtement, hein, je pense que vous vous rendez pas compte. De ce que ça provoque euh, chez les gens quand vous leur dites juste même merci, merci du contenu. Moi, ça fait ça fait très mégalo, mais je reçois presque tous les jours des messages et je me dis, bah, ça veut dire que euh, je suis sur la bonne voie, que ce que je fais, ça vous parle et que ça ne sert pas à rien. Et honnêtement, c'est hyper important quand on crée du contenu sur des plateformes où il n'y a pas d'humain direct. Même là, que vous soyez là pour commenter à 19h20, c'est trop cool. Et merci! Merci de venir et merci de le faire parce que c'est important pour moi en fait. Ben pour vous aussi, mais pour moi, c'est hyper important de savoir que ça vous parle. On dirait que je fais une remise de prix. <laughs> je vais remercier ma mère. <laughs> Bref. Euh... Oui, alors, et eh ben, écoute, Stéphanie, je me suis timée. J'ai presque fini. Parce que si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas tout fait, tout, 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 tout doux que j'avais dit. Eh ben... J'ai pas pris tant de temps que ça. J'ai été hyper efficace. Mais je sais que, je sais que vous m'attendez au tournant. Vous savez quand je m'engage que <laughs> vous, vous m'avez à l'œil, je le sais. Donc, à côté de faire le calendrier édito, moi je me suis noté un, un bullet point qui s'appelle création de contenu. Ce que je me suis noté, donc ranger Canva, j'ai commencé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, pour trier Canva. Là, je me suis dit, je vais mettre tous les carousels ensemble, euh, tous les postes euh, type... Euh, euh... Non, t'inquiète pas, Annabelle, c'est pas fini. Mais t'as pas mal de choses à voir en replay. <laughs> du coup. Euh, et puis la petite séquence émotion, c'était juste avant. Mais euh, t'inquiète pas, tu pourras regarder le replay. Euh, donc je disais, Square Va, moi je me suis dit, je vais faire un dossier, c'est que les carousels. Voilà. Parce que euh, j'en ai marre de tout le temps reprendre mes visuels. Sont... J'en ai qui sont bien, donc il faut que j'arrête de faire ça. Donc j'ai mis que les carousels qui me plaisent. J'ai mis tout comme, comme un template, un dossier template, et il s'appelle carousel. Voilà. Et j'ai supprimé tout ce, qui est... tout ce qui me plaisait plus, qui était moche j'ai un j'ai un autre dossier à côté qui qui n'est que pour les stories voilà c'est que des formats stories j'ai un dossier aussi qui n'est que youtube parce que j'ai des miniatures j'ai des choses d' hab... pardon je tapais dans le micro j'ai des choses d'habillage euh, du vlog ou des vidéos et en fait c'est des formats très spécifiques et c des il y a du fond vert etc donc c'est que du youtube donc j'ai commencé voilà, je commençais un petit peu à ranger euh... non mais t'es pas obligée, d'appeler hein, de regarder le replay <laughs> C'est la dictature ici. Il faut regarder le replay. <laughs> Donc, ranger Canva, ça c'est indispensable. Et ce que je me suis noté, c'est de faire les covers des shorts. D'ailleurs, j'ai commencé, commencé à faire des visuels. Suite à mon shooting du mois d'octobre, j'avais des photos que je n'avais pas encore utilisées. Je pense que pour certains d'entre vous, euh, ça va vous rappeler des souvenirs de formation avec le micro. Ça va vous plaire. Donc, il faut que je fasse les covers des shorts. Donc, ça, pareil, c'est pas long à faire. Euh, le co les covers, en fait, des shorts qui vont être transformés en réels, si vous me suivez toujours, il faut que je fasse les covers des réels. Les, les descriptions, c'est déjà fait, puisque pour les shorts, je les avais un peu scriptés pour les tourner. Donc, les descriptions, c'est bon. Mais il faut que je fasse les covers. Et ça, par contre, euh, ça me prend un petit peu de temps, parce que moi, le visuel, vous le savez, c'est pas ma spécialité, et ça me prend un peu de temps. Mais je me suis dit, je vais faire un template. Donc, c'est. Euh... Je vous dis le titre. Non, je vous dis le titre. Allez, vous savez que je ne sais pas tenir ma langue. Pour des petits trucs comme ça, je ne sais pas. Euh, ça va s'appeler Elise, dis-nous tout. Ou dis-nous tout, Elise. Dis-nous tout, Elise. Et il y a le micro dans le visuel. Est-ce que c'est pas. Vous avez très envie de voir ce visuel maintenant. <laughs> Est-ce que euh, ça vous a donné envie euh, de vous dire euh, c'est pas mal Ou pas Ou vous me visualisez pas. Euh, attendez, je reprends le chat. Vous êtes là. C'est désolant pour moi, je serais bien restée. T'inquiète pas, Nathalie, il y aura le replay. T pas, de, pas de stress, on a tous des vies. Nos problèmes, c'est pas de si. Et eh oui, vous avez envie de voir le visuel Eh bien, faudra attendre le mois d'avril. <laughs> peut-être que vous le verrez les apprenants en Cowork, c'est possible. Possible que je vous le montre. Et je sais que pour toi, Stéphanie, c'est pas évident les co-work, mais peut-être. Donc, l'idée, c'est ça. C'est. Euh... <laughs> C'était horrible, hein Ah, vous attendrez avril <laughs> Vous êtes tous dit, elle va le montrer. Lardac. <laughs> bon, bon, je vous le montre. Allez, bon, parce que parce que parce que vous êtes parce que la foule en délire. Faites-moi la foule en délire. Non, ça, ça devient n'importe quoi cette histoire de foule en délire. Attendez, je vous le montre. Je vous partage juste mon écran pour vous montrer. Euh, logiquement, bougez pas. Ah, voyez, j'ai dit dis-nous tout. Ben ça ça, ça c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Mais je vais mettre tout parce que c'est mieux. C'est pas sympa. Bah oui, je sais, je sais. Non, mais ça va, ça va. D'accord. Alors attendez. Euh, logiquement, c'est la. Euh, oui. Attendez, je reviens comme ça parce que j'ai pas réactivé le micro. Oui, oui. Ouais, oui. Vous m'entendez plus Je suis revenue. Bah oui, parce que la dame, elle a pas fait attention que j'avais pas activé le micro. <laughs> J'adore. C'est plutôt dis-nous rien, Elise. Je <laughs> vois qu'on a le même humour. Adabelle, t'étais faite pour euh, faire partie de la formation aussi, hein <laughs> Donc oui, donc l'idée c'était voilà, c'est dis nous tout et euh, parce que j'ai une photo avec le micro, voilà. Je vous jure, vous m'aidez pas, hein. hein bon. En plus comme on a un décalage, j'ai pas vu tout de suite que j'avais pas le son. Je suis désolée, mais du coup je vous racontais des trucs vous n'entendiez pas. C'est pas grave. Donc je disais, donc je vais réutiliser, je vais regarder dans mes shorts sur YouTube ce qui peut être réutilisé, qui est lié au métier de trail planner. Donc là vous l'avez vu qui sont les clients des trail planner. Je vais faire les covers parce que ça va avec. Et comme ça, je vais pouvoir les programmer. Et je me suis noté aussi de publier les articles de blog sur Facebook. Parce que j'ai arrêté de le faire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est complètement con, mais j'ai arrêté. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va avec la communication. Donc, ça, honnêtement, je pense que ça va être mon trajet en train mercredi. Ça ne va pas me prendre tout le trajet, mais je pense que je vais avancer. Je pense que je vais avancer sur. Attendez, je ne vais pas dire je pense. Vous savez ce qu'on va faire Bougez pas. Si j'y arrive. Hop là. Euh, vous voulez voir la tâche de ma semaine en cours sur ClickUp Je ne sais pas pourquoi je pose la question, je sais que vous allez dire oui. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble ma semaine ah, ça, ça fait peur. <laughs> enfin, ça fait peur. Non, ça fait pas peur, j'exagère. J'exagère. Mais est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ressemble, euh, du coup, euh, du coup ma, ma, un petit peu ma petite semaine non ça c'est pas hop et du coup je vais me programmer ça je vais me programmer la tâche de j'ai déjà une tâche de communication d'ailleurs vous m'entendez toujours ou pas oui oui c'est bon ça bouge euh, Hop. vous êtes toujours là oui non il y a quelqu'un est-ce que vous voulez que je la programme que je la programme que je vous montre à quoi ça ressemble et euh... Ah oui, c'est bon, vous êtes là. Ah, c'est bon. Oui, on a un décalage. J'oublie à chaque fois qu'on a un décalage. Pardon, pardon. <laughs> oui, non, rassurez-vous. <laughs> Tout va bien. Donc, euh, alors... Ah oui, attendez. Euh, comment je vais faire Parce que du coup, j'ai pas activé... Attendez, il faut que je réactive le micro. Bougez pas. Je mets juste le mode... Hop. Hop. Euh, le micro... Normalement... Là, vous m'entendez toujours Oui, vous m'entendez toujours. Donc... Voilà à quoi ressemble, il n'y a rien de confidentiel, non. Euh... <laughs> euh, Qu'est-ce que tu as noté, Annabelle Je steam une chemise en même temps. Ah, tu steam pod n'avais pas compris. <laughs> alors, donc, moi, ma semaine, euh, oui. Alors, vous voyez, les petits emojis, c'est les emojis de début de semaine. Donc, courir après le temps et. Je sais pas où j'en suis. Bref. Du coup, oui, bon, organisation de début d'année, c'est toujours là, ne me jugez pas. Euh, j'ai une tâche pour préparer euh, une communication pour, euh, en mars pour la fermeture. J'ai déjà commencé puisque j'en ai déjà parlé dans un mail. Mais je vais, il faut que j'en reparle. Euh, là j'ai une tâche en cours parce que j'ai fait un audit de mon compte Instagram en début d'année et j'ai des choses à mettre en place et j'ai pas fini. Euh, dans la délégation, c'est les tâches pour Ambre. J'ai un tuto à lui tourner euh, parce qu'elle va prendre le relais sur un truc au mois d'avril comme je ne suis pas là, mais il faut que je lui tourne un tuto. Donc ça c'est en cours. Et il y a des choses qui sont là toutes les semaines. En fait, c'est dans mon template de la semaine. Donc, le suivi des apprenants, c'est là tout le temps, puisque je, ben, toutes les semaines, je fais des suivis. La compta, aussi. La prospection, aussi, puisque je fais des appels découvertes. La veille, aussi. Ah ben la délégation, attendez, je l'ai deux fois. Hop, on va l'enlever, ça ne sert à rien. Le travail client, normalement, cette semaine, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Euh, donc ça, je peux l'enlever aussi. Hop. Attendez, hop là. Hop là. Et c'est comme ça qu'on réduit les to-do list. <laughs> On enlève des trucs. Du coup, en communication, j'avais euh, des choses à faire que j'ai fait aujourd'hui, euh, notamment faire la cover bah, de ce live, euh, faire un post Instagram et écrire le bulletin. J'ai fait tout ça ce matin. Et du coup, il va falloir que je me note. Donc ça, ça va être date d'échéance mercredi. Je croise les doigts que ça fonctionne. Donc je vais mettre... Vous êtes prêts Vous allez m'entendre taper, je pense Calendrier édito. Euh, J'ai dit Instagram. 8 postes. Moi, j'aime bien découper le travail. Même des petites tâches comme ça euh, de calendrier édito, je les découpe. Parce que je trouve ça très satisfaisant quand ça se coche. Ouais, je suis un peu comme ça. Je fais partie de ces gens qui aiment bien les petites victoires faciles parfois. Euh, et du coup, je sais que c'est fait. Ensuite, on a le calendrier édito. Bulletin. Là, on a dit 4. On a dit quatre. J'aimerais beaucoup en faire quatre. J'espère que je vais arriver à vous en faire 4. Et YouTube. Euh, donc deux vidéos. Plus. 4 shorts. J'ai noté. Voilà. Alors, Annabelle, tu me disais, est-ce que tu peux déléguer facilement ou c'était difficile pour toi de ne pas avoir le contrôle sur tout. Euh, je pense que je vous en ferai un live ou un bulletin, je ne sais pas encore. Euh, C'est. Alors. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est compliqué de déléguer, mais c'est très confortable. Mais euh, c'est euh, vraiment un truc qui se prépare. Et je pense qu'on n'est jamais assez préparé. Euh, qui se prépare en termes d'accueil de la personne, en termes de process, euh, d'outils. Honnêtement, on ne peut pas faire de la délégation s'il n'y a pas un outil de travail en commun, je pense. Passer que par des mails, c'est impossible. À mon sens, hein. Voilà. Euh, je... je... Je veux, pas, euh, je veux pas dire euh, c'est pas possible, mais honnêtement euh, c'est compliqué. De ne pas avoir du tout d'outils pour travailler en commun, je pense que c'est impossible. Je pense. Et je pense que ça sera quelque chose qui va arriver dans la formation, dans la partie 9, gestion d'entreprise. Je pense que je vais vous faire des vidéos sur la délégation. Vous avez besoin, je m'exécute. <laughs> Donc pour la communication, déjà il faut que je fasse mes quatre calendriers éditos. Donc ça très clairement. Alors après on va, je vais, bon, allez, je vais faire jusqu'au bout. Je vais m'attribuer les tâches. Non, je l'ai coché. Oh. Hop là, hop là. Je vais m'attribuer les tâches même si sur cette partie-là, de euh, toute façon c'est forcément moi qui le fais puisque je n'ai pas délégué ça à Ronde. Euh, ouais, je pense que je vais vous faire un truc là-dessus. En fait, je sais pas. J'ai des réflexions. Euh... Pas de soucis, Sabine. Bonne, bonne soirée, bon appétit, sûrement. Euh, je réfléchis est-ce que j'ajoute des choses dans la partie 9 Est-ce que je fais un truc plus à côté sur euh, délégation, travail à plusieurs ou pas euh, Je sais pas. Je sais pas encore. J'ai envie d'aborder plein de sujets en plus, sur, euh, mais sur des niveaux d'entrepreneuriat peut-être un peu plus euh, avancés. J'aime pas ces joueurs de termes, mais bon, euh, voilà, avancé, on va dire. Euh, mais pour l'instant, euh, j'ai pas... Je, je, je sais pas. Ça va arriver dans le module 9 certainement, peut-être après sur d'autres choses. Euh... On verra. Donc, ensuite, j'ai dit. Est-ce que vous avez suivi J'ai dit quoi après J'ai dit ranger Canva. Dossier. J'ai dit cover des shorts. Pour en faire des réels. Ouais, la flèche, ça veut dire pour en faire des réels. Et article de blog, article de blog à sélectionner pour Facebook. Parce que je ne vais pas tout poster euh, en un seul mois, ce serait un petit peu idiot. Et ce que je vais faire et qui est extrêmement satisfaisant, comme tu disais Annabelle, c'est comme cocher c'est barrer. Barrer au... sur l'ignor, bien sûr. Je suis désolée, je crois que j'ai tapé dans le micro. Donc ça, ma priorité, honnêtement, euh, là, c'est sur la communication parce que c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose que je veux faire pour le mois d'avril. Donc c'est ma priorité, ma top priorité. Voilà. Euh, c'est euh, voilà, vraiment... C'est ce que je veux faire absolument avant la fin du mois. Je veux pas être dans la course de le faire euh, juste avant de partir. C'est trop chiant. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est ce que je veux faire absolument. Je me suis notée mercredi. Et vous voyez, j'ai déjà fait presque deux heures de communication aujourd'hui. C'est les visuels. Je prends trop de temps pour faire les visuels. Il faut que, faut que je, faut que j'aille plus vite. Hein? C'est voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais noter d'autre Ah oui. Donc, alors attendez, je vais revenir en. Hop là, je suis de retour. Euh, du coup, j'ai d'autres choses que j'ai notées, notamment Google Workspace, parce que. Euh, parce que Google Workspace, j'ai toujours pas fait la validation du truc. Il faut que je le fasse, mais si je me mets pas une deadline, je le ferai pas. Donc, euh, là, ce que je vais faire. Attendez, mais je, je vais vous repartager. Euh, non. Je vais me noter une tâche qui va être une tâche un peu générale parce que ça veut rien dire, qui va s'appeler gestion d'entreprise. Ce qui ne veut. Non, je sais. Je vais l'appeler CEO. Ouais, parce que je, moi, je suis quelqu'un comme ça, je me fais des CEOD croyant que euh, je suis Coca-Cola. Parce que je suis CEOD, euh, CEO de moi-même, pour moi-même et par moi-même. Mais. J'aime bien. Et du coup, ce que je vais faire... Ah ouais, j... attendez, je vais vous montrer. Bah, du coup, je repasse comme ça. Ce que je vais faire, euh, pour la communication, je vais me mettre un hop urgent, parce que c'est parce que euh, la... les top priorités. On va trier par date d'échéance. Ah oui, la délégation, c'était il y a trois jours, mais euh, comme je monte à Paris, euh, je vais peut-être même faire les tutos en live avec Ambre. Donc, le CIOD, euh, dedans, ce que je vais mettre... Attendez, je me mets juste. Euh, oui, c'est là, une catégorie COD. Ça, c'est pour mon tracking de temps. Donc, là-dedans, souscrire à Google Workspace. Comme ça, ça, c'est bon. Valider. Non, ça m'a fait une, une sous tâche Ah, attendez, je fais des bêtises. Valider. Mais je veux pas de sous-tâche, moi. Pourquoi il me fait ça Attendez, bougez pas. Je reviens. Touc Hop là. Nouvel élément. Voilà. Valider. You sign. Puisque, merci Annabelle de m'avoir fait le retour. Tu as été la première et tu as trouvé ça très bien. Et je trouve que l'outil est très bien. Très satisfaisant ton click-up. Moi, je suis sur Notion. J'ai encore du mal à faire de belles choses. Alors, ça prend du temps. Euh, et je vous en reparlerai, mais dans le, la, le module sur la CRM, je vous lâche une exclue. Vous êtes prêts Là, c'est une vraie exclue, euh, je ne l'ai jamais dit. Hein. Normalement, dans le module CRM que je vais mettre à jour en septembre, il y aura un template notion. C'est pour moi, c'est parti. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Oui. Donc, euh, donc, template notion pour gérer la CRM. Hop, je dis ça, je dis rien. Donc, ça, c'est bon. Euh... Donc valider you sign, euh, c'est bon. Les tutos pour oh, Am en fait c'est déjà noté, donc ça c'est bon. Euh... Oui. Euh, mail pour euh... ah, je peux pas écrire quoi parce que c'est top secret. Donc projet CRM, vous ne saurez pas. Ha <laughs> Je ne vous dis pas tout. Euh, ensuite. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Ah bah le live du 23, c'est bon. Hein, euh... Ah oui, non Bah non Bah non, mais ça va pas là. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté là Vous voyez J'ai noté un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah, si, je sais. Ok. Euh, non, donc ça, non. Ça, oui, ça, non. Euh, et il faut que je fasse euh, mettre en ligne. Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Le nouveau contenu mis à jour 2023. Donc ça, c'est des tâches euh, qui sont plus du travail. Euh, alors la mise en ligne, c'est pas grand chose parce qu'en fait, euh, il suffit juste que je les débloque pour les apprenants. Je vous l'ai pas dit, mais euh, elles sont déjà sur la plateforme. C'est juste que je les ai cachées <laughs> parce que je, voilà, je, suis une, je suis une grosse dingo, euh, je les ai cachées. Bref, donc ça, il faut que je le fasse et je vais le faire. Euh, je vais le faire là très vite. Euh, alors, il y a des choses que je peux pas. Ouais, il y a des choses il que... y a un truc que je peux pas le noter avec vous parce que sinon, c'est trop. Euh... C'est top secret et je peux pas vous dire euh, c'était le call que j'ai eu tout à l'heure, plus d'autres calls en cours. Euh, je peux pas vous dire. Ça je peux pas vous le dire. Donc, vous le verrez pas. Mais voilà, euh, l'idée c'est euh, du coup. Euh, alors le CEOD, je ne sais pas quand est-ce que je vais le prévoir parce que peut-être ce vendredi. Je, je sais pas si on va arriver jeudi à aller ou pas au salon. J'espère. J'espère vraiment qu'on va y arriver. Euh, sinon, bah, ça sera peut-être jeudi. Euh, et si c'est pas jeudi parce qu'on arrive à aller au salon, ça sera vendredi. Donc, euh, là, en gros, pour euh, repartir sur des bonnes bases, parce qu'il n'y a pas que ça, logiquement, comme je vais rentrer en avril, il faudrait que j'avance un peu sur mai aussi. Puisqu'en avril, je ne suis pas là. Du coup. Euh, Qu'est-ce que je fais lors des CEOD Alors CEOD, c'est un temps un peu différent de travail. Pour moi c'est mes vendredis euh, généralement le CEOD, C'est euh, toute la partie stratégie d'entreprise, développement de l'entreprise. Donc c'est pas euh, par exemple c'est pas de la création de formation, mais c'est par exemple du démarchage de partenaires pour les travel planners. Et j'ai vu que j'avais un mail qui était arrivé pour euh, le DOS sur lequel je suis pour du partenariat si ça se fait.

Analyse de certaines stratégies que j'ai mises en place, euh, notamment quand je fais des lancements, c'est le vendredi que j'analyse tous mes lancements. Euh, Est-ce que les emails ils ont marché Est-ce que la masterclass ça a permis de convertir Combien j'ai vendu de programmes Qu'est-ce que j'avais mis en place comme stratégie Oui, parce que moi j'ai des docs de stratégie par rapport à chaque lancement. On dirait que. Quand je dis ça, j'ai toujours l'impression d'être Coca-Cola, alors que bon, c'est un doc qui reprend juste ma stratégie. Hein, et je vous conseille de faire ça. Et du coup, je les analyse. Le vendredi, dans mes COD, je fais ça. Euh, Ou euh, c'est aussi quand c'est des moments plus creux. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être cette année, hein, le moment plus creux, j'espère au mois de juin, au mois de mai. Non, pas au mois de mai, il y a le lancement, donc au mois de juin. Euh, c'est par exemple aussi de la réflexion sur euh, des idées, des projets que je veux développer. Euh, euh, je ne sais pas, des, des, des conférences, des séminaires, des choses comme ça. Quoi. Des choses sur lesquelles où c'est pas du travail, c'est pas de la création de contenu, c'est pas des appels clients, c'est vraiment de la réflexion sur l'entreprise. Pour moi, c'est ça les CEO. Des... Ça dépend des gens, hein, je, je... mais globalement, c'est la différence, si Annabelle t'a déjà entendu, c'est travailler sur son business et pas dans son business. Moi, au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je trouvais que c'était pas très clair. Et en fait, c'est ça. C'est pas faire du travail opérationnel, c'est-à-dire pas prendre des appels clients, euh, pas faire euh, de la création de contenu. C'est vraiment euh, aller sur de la réflexion entrepreneuriale. J'ai l'impression que j'ai l'air beaucoup plus importante que ce que je suis en disant ça, mais voilà. Euh, bonne soirée, Séverine, à bientôt donc, du coup, euh, moi, pour reprendre le contrôle, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est ça c'est d'avoir des journées. Là, je vais avoir des. Par exemple, le trajet en train, j'ai du temps. Euh, L'après-midi, euh, donc je retrouve Ambre à Paris. Euh, je pense qu'on euh, va se faire un goûter, etc. Ça va passer très vite, j'arrive à midi, mais on aura peut-être un peu de temps. Euh, j'ai prévenu aussi que j'étais euh, absente cette semaine-là j'ai fermé tous les appels découvertes, Donc, j'ai des journées où il n'y a rien. Donc, on va pouvoir travailler aussi à deux sur de la réflexion, par exemple. Donc, l'idée, c'est ça c'est moi, j'ai tout posé à l'écrit. Et mes prix aujourd'hui, et c'est pour ça que je, je, je n'ai noté que deux tâches, mes priorités, c'est la communication pour le mois d'avril et euh, valider les outils que je dois valider. Et ah, bon le CIOD, mais ma priorité, c'est vraiment la communication sur le mois d'avril. Il faut absolument que j'avance là-dessus, comme ça je serai tranquille. Donc voilà, euh, pour ça. Et euh, qu'est-ce que j'ai... Alors, je vais pouvoir barrer un truc parce que euh, j'avais noté Wigo, mais a priori Wigo, je vais pouvoir partir. Euh, bonne soirée Stéphanie, à bientôt. Il faut que je te réponde, j'ai vu ton mail. Euh, parce que j'ai aussi beaucoup de mails auxquels il faut que je réponde. Euh, oui, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ça c'est fait. Euh, oui, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. À bientôt Marion on va se parler bientôt, je pense. Euh, du coup, voilà, sur l'organisation, moi, quand je suis un peu dans le jus, c est, c est, je fonctionne toujours comme ça. Je, je mets tout par écrit et je me dis, si ça vous arrive, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait soit que je vais avoir des clients, sur quoi je peux travailler qui va m'amener des clients, ou sur quoi je vais travailler qui va me permettre de gagner du temps ou d'anticiper C'est soit gagner des clients, et là, je me dis, oh, si c'est dans ce cas-là, c'est ouvrir des appels-découvertes, des créneaux, par exemple. Je ne vous cache pas que je ne vais pas ouvrir des appels. Je suis même en train de me dire que je vais peut-être enfermer des créneaux. Euh, donc l'idée, c'est ça c'est quand c'est la course, c'est qu'est-ce qui fait que si je travaille sur tel ou tel point, ça fait avancer le business ou pas Par exemple, euh, je ne vais pas m'occuper maintenant de réfléchir à mon calendrier édito d'articles pour la fin d'année ou pour même après le mois d'avril. Auc aucun intérêt, ce n'est pas pertinent. Gagner des clients, la grande question en ce moment. Alors, quand on se lance, c'est long. Et, et alors même quand on ne se lance pas, il hein, y, y a des moments c'est la traversée du désert. Hein. On ne sait pas où ils sont. Donc, de, alors, bah l'idée, justement, Annabelle, si tu veux faire l'exercice, c'est ça. Aujourd'hui, si tu dois avoir qu'une priorité, qu'est-ce qu qui peut t'amener des clients Est-ce que communiquer sur Instagram, ça peut t'amener des clients Si oui, et bah, on focus là-dessus. Et on laisse tomber, par exemple, Facebook, on laisse tomber euh, les trucs qui sont un peu annexes autour. Alors, je sais que c'est facile à dire, comme ça, 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 veut, ça demande aussi de savoir d'où arrivent les clients. Si, par exemple, tu as déjà eu des demandes sur Instagram et qu'aujourd'hui, tu veux développer ça, ça peut être faire de la sponsor, faire des, des, des publications sponsorisées, de la pub. Je ne suis pas sûre qu'au début, ça soit pertinent, mais à réfléchir. Hein, je n'ai pas le nez dans votre business euh, tout le temps, donc, euh, mais ça peut être une piste. Euh, faire plus de contenu faire par exemple un challenge comme je fais tu vois tu peux te dire bah, ok au mois d'avril je veux gagner en visibilité donc potentiellement plus de visibilité et plus de clients au mois d'avril un short par semaine ou un short par jour Ouais, un short par semaine j'abuse c'est pas un challenge un, un, un réel par euh, jour par exemple ça peut être euh, ça peut être ça hein. et se dire ok je fais ça c'est mon focus du mois c'est faire grandir mon compte instagram faire grandir ma visibilité potentiellement débloquer des appels découvertes ça veut pas dire que si on fait un challenge, moi je fais un challenge de short ce mois-ci, j'ai pas triplé euh, mes abonnés sur YouTube. Hein. Euh, oui, c'est ça, toi as un job à côté aussi. Alors, c'est pas se trouver des excuses, hein, c'est aussi être en phase avec la réalité, Annabelle. C'est que quand as un travail à côté, c'est très dur, c'est beaucoup plus compliqué quand es à 100%. Moi j'ai été à 100% dès le début, quand j'ai décidé d'être entrepreneur à mon compte, j'ai tout lâché et je suis devenue entrepreneur. Je le sais aujourd'hui, c'est pas des excuses, c'est que quand tu as un 35 heures à côté ou même un 20 heures, peu importe, il y a une partie de ton cerveau qui est dédiée à ça. Donc c'est plus long de développer une entreprise quand on a un salarié à côté. C'est un fait. Mais du coup, ça veut dire que dans tout cas, il faut encore plus prioriser. Encore plus. On ne s'étale pas sur euh, X dizaines de stratégies. C'est vraiment, il faut focus sur un truc. Tu investis tes efforts là-dessus, vraiment. Et tu te laisses du temps. Une stratégie, c'est au moins trois mois, si c'est pas six. Ouais, dit comme ça, c'est oh là là, c'est long. Mais oui, c'est vrai. C'est n'est pas en un mois qu'on voit des résultats. Moi, je le vois aussi. Hein. Je suis lancée depuis plus longtemps. Vous êtes peut-être en train de vous dire, bah c'est facile et tout. Non, c'est moi aussi. Je lance des trucs et c'est pas sur le mois en cours où ça fonctionne. Ça met du temps. On sème des petites graines de toute façon, tous. Donc l'idée, c'est ça. C'est de se dire, là aujourd'hui, j'ai peut-être que deux jours par semaine ou j'ai peut-être que deux soirées, etc. Sur quoi je peux actionner tout de suite, enfin tout de suite, sur quoi je peux me concentrer pour que ça, ça se développe. Euh, je m'étale sur des choses futiles, je passe beaucoup de temps euh, sur les visuels. Par exemple, carnet. Ben, si tu le sais, tu sais ce que tu fais, Annabelle, tu m'en feras un retour. Si tu sais que tu fais ça, tu te dis je travaille sur mon carnet, je travaille une heure, tu te mets un chronomètre. Au bout d'une heure, tu arrêtes. J'ai l'air très. Tu verras que ton cerveau, il va s'habituer à travailler aussi plus vite. Si tu lui mets pas de limite, il en a pas. Euh... Je confirme qu'avec un travail à côté, puisse volontariat chez les pompiers, c'est compliqué de trouver du temps, mais ça va le faire. Justine. Euh... En plus, toi, tu donnes de ton temps et tout. Non, mais enfin, voilà. Je... Bon, c'est pas se ce chercher des excuses. Vous êtes en phase avec votre réalité. Vous n'êtes pas à 100%. C'est normal. Mais. Ça veut dire que dans votre cas, vraiment, je, je, je le redis parce que c'est hyper important, dans votre cas, il faut prioriser à fond. À fond. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous étaler, vous ne pouvez pas tester 10 000 trucs. C'est-à-dire que vous prenez une stratégie, vous y mettez l'espace le, disponible. Si c'est 40%, c'est 40% de votre temps. 40% de votre temps, focus sur ça. Donc, peut-être c'est créer une stratégie, euh, peut-être c'est finir son étude de marché. Bah, en, à côté, vous ne faites rien d'autre. C'est ça, votre priorité, c'est ça. Moi, je sais que c'est pour ça que je fais des to-do list aussi et détaillées parce que je me dis ok, je dois travailler et je mets des jours en face. Donc ça, c'est une vraie technique aussi. Si vous mettez juste des trucs dans votre to-do list, on fait juste, on, juste on les repousse, hein, on les pousse à la semaine suivante. Là, moi, je sais que mercredi, je, de moi-même à moi-même, mais avec vous, du coup, je ne sais pas si vous êtes encore nombreux à être là, mais au moins Annabelle et Justine, vous le saurez, je m'engage auprès de vous, mercredi, je fais ma tâche de communication, je fais mes calendriers éditaux. Et j'avance le maximum. Si je peux faire mes covers, je vais faire mes covers aussi. Si je peux écrire de bulletins, je vais écrire de bulletins. Je m'engage. Voilà. Je l'ai dit pour mercredi, je le fais mercredi. De toute façon, j'aurai le temps dans le train, j'aurai rien à faire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de prioriser ce qui. Moi, aujourd'hui, je sais que ma priorité, c'est communiquer parce que après, j'aurai plus le temps. Parce que quand je serai sur place en Corée, je le ferai pas. Parce que de toute façon, c'est les vacances, donc je ne le ferai pas. Donc, je dois le faire maintenant. Ma priorité, c'est ça. Garder mon contenu actif, même pendant mon absence. Voilà. Donc, euh, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ça avait ni queue ni tête ce live, non Ça vous a plu quand même ou pas J'ai l'impression que c'est. C'est totalement décousu ce que je vous raconte. Est-ce que ça vous a plu, malgré tout Ou c'est le bazar. Euh, ou c'est le bazar complet et je vous ai perdu Ouais, ce chronométré hyper hyper important d'abord, je l'ai pas dit mais hyper important. On se dit, euh, je sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir bosser, mais tu prends une heure, j'en sais rien si c'est une heure un soir, une heure, ok, qu'est-ce qu'on fait en une heure, mais on le fait en une heure. C'est pas deux, c'est pas deux et demie, une heure. J'ai adoré. Ah bah merci. J'ai toujours peur que ça soit un peu le bazar, ce que je vous raconte. J'ai envie de vous dire tellement de trucs, mais après, je me dis, je ne peux pas vous tenir pendant deux heures. Hein. Vous, aussi, vous avez aussi une vie, quand même. Euh, mais moi, vous savez qu'organisation, je pourrais en parler beaucoup. Donc, euh, ça me gratte. Je me suis fait piquer par un truc, je crois. Ouais, joyeux bordel. Vraiment, ah c'est le joyeux bordel organisé. Hein. Mais, on va reprendre le bon bout. En fait, c'est ça. C'est aussi, moi, je veux reprendre mes habitudes parce que là, je sais que j'ai un peu tiré et c'est pas bien parce que je suis pas confortable en fait. Au quotidien, c'est pas confortable et j'aime pas ça. Donc, euh, comme c'est comme pas confortable, je veux reprendre le contrôle de ça. C'est pas grave, Annabelle. On fait, on fait chacun à son rythme. Tu te chronomètes maintenant et tu verras, ça va, ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'aussi, ton cerveau aura l'habitude de faire dans un laps de temps. Ce que je vous disais avec la newsletter, moi maintenant 50 minutes c'est écrit. Euh, bah du coup voilà, je vais vous laisser là, ça fait 1h20, ça fait plus d'une heure déjà, et, et vous avez peut-être faim, parce que moi j'ai faim, hein. honnêtement, euh... j'ai bien envie d'aller manger. Et puis il est tard, il est tard, c'est la fin de journée, on va se libérer. Euh... Ah, ah bah, d'accord, on ne m'attend pas pour manger, visiblement, donc... <laughs> Tout va bien. Euh... J'aurais pas dû enlever le mode avion, je viens de voir toutes les notifications arriver. Euh, tu finis lire la newsletter. Cool. Je vous ai fait euh, un, une newsletter. J'étais inspirée. Hein. Et vraiment, j'espère que vous allez me répondre. Je veux vraiment votre avis là-dessus. De rien De rien pour le live. Donc vous aurez le replay, vous savez, ça se, ça se plode automatiquement sur YouTube. Il y aura le replay, vous pourrez le regarder quand vous voulez. Euh, et puis du coup, je vous tiens au courant aussi pour la suite, pour les lives... Euh, euh, React d'émission. Vraiment, je pense qu'on va le mettre en place, on va se débrouiller, on va trouver un truc. Euh, on va le faire. Je vais le faire parce que ça, ça vous plaît, ça me plaît, ça plaît à tout le monde. Voilà, on va, on va le faire. Euh, et puis, euh, je, je pense que je vais vous faire plus souvent des lives comme ça. Si ça vous dit, si ça vous va, puisqu'on avait dit que c'était le deal, plus de bulletins et plus de lives. Donc, je vais vous faire plus de lives comme ça. Euh, et puis voilà. Voilà. C'est tout pour ce soir. Euh... Non, je vais, je vais vous remercier d'être venu parce que vous, êtes, vous répondez toujours présent aussi euh, sur YouTube. Vous venez, euh, et pourtant, c'est un autre canal qu'Instagram et que les newsletters. Donc, euh, donc merci de me suivre euh, ici aussi et peut-être sur Twitch bientôt. Euh, J'espère que voilà, ça vous a plu. Passez une bonne soirée. Euh, mangez bien. Et puis, euh, et puis, on se dit euh, à bientôt. <music>